Conte français. Le loup et l'escargot. Le loup courait ventre à terre le long d'une route. L'escargot l'aperçut et l'appela. « Où vas-tu ? » lui demanda-t-il. « À Paris. Et pourquoi cours-tu si vite ?»« Pour arriver avant la nuit, » expliqua le loup. « Je vais aussi à Paris. »« Faisons la route ensemble, » proposa l'escargot. « Je suis pressé et je ne peux t'attendre, » dit le loup. « Tu n'auras pas à m'attendre puisque je suis plus rapide que toi, » déclara l'escargot. « Tu plaisantes ?» lança le loup. « Je serai à Paris avant toi. Le dernier arrivé invitera l'autre à manger, » dit l'escargot en s'accrochant discrètement à la queue du loup. « Adieu, » répondit le loup en reprenant sa course. Lorsqu'il arriva à Paris, la nuit venait de tomber et la porte de la ville était fermée. Tandis que le loup cognait à la porte, l'escargot abandonna sa queue et se grimpa en silence le long de la muraille qui ceinturait la ville. « Te voilà enfin, » dit-il au loup. « Je t'attendais pour dîner.